des aminas, ta la petite venite, te y a tanta, bogu tata, et te la vida, ite y a ta titi à l'état, la petite, le ple, pour la ve, à ta ti, ite ta, ite era il, ite la be, à l'autoplé, à l'éricoin. Amis téléspectateurs des Nouvelles du Quartier à travers l'émission Entretien Citoyen, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du système éducatif avec le tonton Aigri à travers ses analystes. Bonjour le tonton Aigri. Ouais, bonjour. Ouais, comment ça va? Oui, ça va. Ok. Alors, aujourd'hui, nous parlons du système éducatif burkinabé. Dites-nous, quelle appréciation vous faites de ce système-là? Yeah, si c'est l'éducation-là. Bon, vraiment, je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Ouais, il faut le reconnaître, on est à la croisée des chemins. Il est temps pour nous, ensemble, que l'on s'asseye et que l'on cherche à savoir quel Burkinabé nous voulons former par notre cursus, par notre système éducatif. Sinon, ce qui est là n'a donné que des représentants du colon qui n'ont plus leur place ici parce que les Burkinabés ont déjà occupé tous les postes administratifs et politiques que le blanc occupait en son temps. 50 ans, 60 ans après, il nous faudra nous approprier notre système éducatif, chercher à former le Burkinabé que nous voulons demain. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, partant d'abord de l'enseignant lui-même. Mais si aujourd'hui l'enseignant, c'est juste son c'est le nom. L'éducateur, le rôle d'éducateur, il ne l'a pas. On lui a retiré. On lui a retiré le rôle d'éducateur. L'enseignant n'est plus un éducateur. Il se contente d'enseigner, de donner certaines connaissances académiques à l'enfant. Et puis bon, le reste, il s'en fout. Il n'a plus d'autorité sur l'enfant. L'enfant étant libre de faire ce qu'il fait, ce qu'il veut, tout le monde est d'accord. On est d'accord que l'enfant est inconscient. Il est irresponsable et la loi même le dit comme ça. Mais pourquoi veut-on le laisser à lui-même face à son éducateur? Il y a question à se poser. Ça, c'est au niveau de l'enseignant. Et maintenant, il enseigne quoi? Il n'enseigne que des choses qui devraient servir le remplaçant du colon. Puisque après 15 ans, 17 ans de formation, de cursus scolaire, deuxième année, troisième année de l'université, vous ne trouverez pas un étudiant qui est capable de se nourrir de ses 10 doigts. Alors là, il y a problème. Parce qu'on ne lui a pas appris à le faire. On lui a bourré la tête de choses qui à 80% n'ont d'utilité que pour celui qui veut être élite de ce monde. Ça, c'est le module qu'on leur enseigne. Ouais. On ferait mieux de tirer de chaque matière la substance qui va être utile au Burkinabé de demain. On ne refuse pas les matières telles qu'elles sont là, mais on va tirer la substance utile à l'enfant. Les mathématiques, qu'on lui enseigne les maths qui peuvent lui servir demain. Histoire, qu'on lui enseigne l'histoire qui peut lui être utile. Et celle qui peut lui être utile demain, c'est l'histoire du Burkina Faso. Principalement, qu'il sache le Burkina est né comment, quand et par quoi, par quel peuple. Et qu'on cherche à connaître, à lui enseigner les détails de l'histoire de chaque peuple, de chaque nation qui compose le Burkina Faso. Ainsi, ça permettra à l'enfant de se savoir parent lié à l'autre. Que tu viennes de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, le centre, l'essentiel sera pour eux d'être Burkinabé, puisque se chassant unis par la même cause,
et pour le même devenir, les considérations subjectives vont s'effacer pour faire place à une considération qui est celle de la valeur de l'autre pour servir son pays. Voyez comment on peut tirer profit du module qu'on enseigne aux élèves. Alors, est-ce qu'il faut tout rejeter sur le système éducatif hérité du colon? Je dis non, ce n'est pas sur le système éducatif lui-même. Il y a plusieurs paramètres. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'enseignant, le cursus, le module, l'enseignant. On en a déjà parlé. Il y a les parents. La maman qui était le dernier rempart à la maison est émancipée aujourd'hui et court dehors comme le papa à la recherche du travail et de l'argent. Donc, ceux qui étaient chargés à la maison d'appuyer le travail de l'enseignant sont absents du système. Là, il y a un vide aussi. Le Burkina étant composé de plusieurs ethnies, quel rôle nos cultures pourront jouer dans la formation de l'homme de demain au Burkina? Oui, c'est la culture, c'est comme je l'ai dit. Il faut que nous apprenions à faire connaître aux enfants la culture de l'autre. Parce qu'aucun peuple ne peut évoluer, je dis bien évoluer, sans sa culture. Et quand elle est morcelée, au lieu d'unir, elle sépare. Qu'on enseigne dans le cursus scolaire, on a le temps d'enseigner la culture de chaque entité à l'élève. Avant qu'il n'atteigne la troisième, il sait déjà quelle est la culture du Gourossi, quelle est la culture du Foufoulde, quelle est la culture du Moara, ainsi de suite. Est-ce à dire que dans la formation des enseignants, que tu sois Mossi, Samo, Bissa, Foufoulde, Peul, la culture d'autrui, c'est très important. Ou faut-il répartir dans chaque région, dans chaque ethnie, trouver des gens pour les former, afin qu'ils puissent venir enseigner? Non, ça va être compliqué. On garde toujours ce que l'enseignement, l'enseignant lui-même. Il faut lui inculquer des valeurs qu'il doit transmettre. Donc c'est depuis la formation de l'enseignant, quand on lui a inculqué ses connaissances, afin qu'il les transmette aux élèves. Les premières années de l'école, quand même, je voudrais que, moi, ça c'est ma petite contribution, première année, deuxième année, CP1, CP2, au moins que l'enseignant qui est chargé d'être le premier que l'enfant va connaître puisse communiquer avec l'élève dans une langue commune. Au moins, ne serait-ce que les trois grandes langues du Burkina Faso, que dans la forme, si l'enseignant est formé dans les trois langues, je pense qu'il a beaucoup de chances de se faire comprendre par les tout nouveaux élèves de CP1 et CP2. Sur quoi écrit-on avec la craie? Sur quoi écrit-on? Écrit-on. Écrit-on avec la craie. Sur quoi écrit-on avec la craie? Sur quoi écrit-on avec la craie? Sur quoi écrit-on avec la craie? Sur quoi avec la craie? Écrit-on. Écrit-on avec de la craie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau du ministère des enseignements, l'éducation est devenue enseignement. Oui, c'est devenu enseignement. Il faut le voir, repenser la formation en tant que l'enseignant lui-même, afin que l'enfant ne soit pas déboussolé face à lui. Généralement, CP1, CP2, l'enfant regarde le maître parler comme une vache qui regarde un train passer. Nous avons l'exemple de cet enseignant sénégalais qui explique les mathématiques en Wolof. En Wolof, ok. Donc vous me comprenez. Voilà où je veux en venir. Il serait plus facile pour nous de moduler les enseignants dans les langues nationales que de chercher à vulgariser les langues nationales. Est-ce que vous me comprenez? Qu'on oblige les enseignants à apprendre le Moré, le Foufoulde et le Djoula dans leur formation, ce serait mieux que de vouloir enseigner le Moré à tous les Burkinabés, le Djoula à tous les Burkinabés, le Foufoulde à tous les Burkinabés. Ça viendra de par le temps.
de par l'interpénétration des peuples. Ça, ça viendra de soi-même. Et que ferons-nous, surtout quand on parle de globalisation, de mondialisation, et puis il y a cet outil commun à tous les pays, oui, francophones. Francophone. La francophonie. La francophonie, oui, c'est juste... ça n'a d'utilité que pour les Français. Oui. Ah bon? C'est eux qui peuvent en tirer profit, ça, en être fiers d'avoir beaucoup de gens qui parlent leur langue. Ça s'arrête là, c'est l'intérêt. Mais les pays africains qui parlent le français ou qui partagent le français oui, bénéficient du soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, même dans le système éducatif. C'est dans leur intérêt. On nous donne ce qui peut leur servir. Sinon, ce n'est pas pour nous. Sinon, on serait devant le monde entier. On nous donne juste ce qui va servir les intérêts de la France. Sinon, on m'aurait enseigné les mathématiques dans ma langue maternelle, que je n'en serais pas moins outillé que celui qui l'aurait appris en français. Non? Alors, on a remarqué, hein, depuis quelques années, oui, le système universitaire, aujourd'hui, les années académiques se chevauchent. Oui. On ne sait pas quand est-ce que ça finit, quand est-ce que ça commence. Oui. Alors, pour vous, la solution, c'est quoi aujourd'hui? Oui, c'est comme je l'ai dit. Et pourquoi en sommes-nous là? Oui, on en est arrivé là de par l'inadéquation non seulement de la formation des formateurs et les élèves qu'ils avaient en face. Ça, c'est un. Et de deux, on s'est contenté de former des professeurs. On n'a pas construit des écoles. Il faut des infrastructures d'accueil de tout ce monde-là, d'abord. On n'a pas pensé à ça. Il y a plus d'élèves, plus d'universitaires que d'universités. Il y a plus d'universitaires que d'enseignants. Alors, il faut corriger, former plus d'enseignants, en nombre et en qualité. Parce qu'il n'y a pas de fierté pour un enseignant de se réclamer seul dans son domaine à l'université de Ouagadougou. Ce n'est pas une fierté, c'est une honte. J'aurais même entendu qu'il y a un des enseignants à l'université qui oui, était fier de vivre dans un pays. Que lui, il est seul dans son voilà, domaine. Voilà, je dis c'est une honte. C'est des phrases, c'est des choses qui me font honte. Ah bon. C'est tout ça qui rentre en compte dans mon aigreur. Je n'admets pas ça que vous formiez des gens pendant des décennies sans en trouver qui vous représente. Tant qu'il n'y a pas un système d'évaluation de l'enseignement, de l'enseignant universitaire, du professeur et tous ceux qui sont là-bas, s'il n'y a pas un système d'évaluation de l'enseignant lui-même, alors on n'est pas prêt de sortir du gouffre. Parce que rien ne les oblige au rendement. Rien dans tout le système éducatif ne les oblige à produire des hommes valables pour les remplacer. Rien. Ils ne sont pas évalués eux-mêmes. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Oui. En résumé, qu'est-ce que vous nous direz concrètement pour ceux qui viennent de nous prendre en marche dans cette émission par rapport au système éducatif burkinabé aujourd'hui, pour l'homme de demain? Pour l'homme de demain. La situation globale de l'éducation, du système éducatif et de ce que nous constatons aujourd'hui, de mon point de vue, il faudra que nous acceptions avec amertume qu'il y a toute une génération qui sera sacrifiée à l'autel de l'outil informatique, de l'Internet, mais ça nous passera. Sans oublier les télévisions satellites. Oui, naturellement, c'est comme j'ai fait tout. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui va être sacrifiée. Là, nous n'avons même pas le choix. En attendant que ces choses deviennent banales, il va de soi qu'il y a une génération qui va prendre le coup et les choses se normaliseront quand cela va rentrer dans le quotidien de tout le monde et devenir banal. L'essentiel est que nous gardons le cap, comme je l'ai dit, que l'on prenne en compte un certain nombre de choses que j'ai dites ici,
Voilà, ça va aller. Je vais demander qu'on remette à l'enseignant son autorité, qu'on lui donne le module utile à la nation et qu'on cherche à former les hommes de demain, utiles à eux-mêmes pour être utiles à la nation. Sinon, tout n'est que vain mot. Alors, amis téléspectateurs des Nouvelles du Quartier, à travers Entretien Citoyen, nous espérons que vous avez pris du plaisir à suivre les analyses pertinentes de Tonton Aigri. On se retrouvera une autre fois, mais vous pouvez continuer de nous suivre, non, à travers les réseaux sociaux. Au revoir.